Pour moi, il est devenu comme une maladie. Chaque matin, il faut que je le vois à mon atelier. Je travaille, c'est ça, je viens chaque matin. C'est le meilleur moment. C'est comme un écrivain. L'écrivain, la meilleure chose, c'est la nuit, à 2h du matin. Il a le matin, on a l'énergie. C'est pour ça que je le fais chaque matin. Mon papa il était sculpteur lui aussi, j'avais vu toute ma vie. Et j'ai dessiné, mais je ne pensais pas que je pouvais devenir artiste peintre non plus. Alors je dessinais en train de rigoler, mais toujours c'était dessiné. Un jour finalement il est venu vers moi. Je suis grandi dans l'atelier de mon papa, c'est tout. Hein. C'est une affaire de famille et je ne pouvais jamais arrêter. Dans la vie, je suis content qu'aujourd'hui, je suis un artiste encore. Mais je ne peux pas vivre sans faire la peinture. L'amour, il peut me prendre, mais pas la peinture. Chaque jour, je fais la peinture. Ça, c'est une partie de ma vie. Il n'y a pas ni l'âge, ni la race. Tout le monde, j'adore quand ils viennent. Very interesting. Very famous artist. Allez, hop, Corea. C'est magnifique la mer. Moi j'adore la promenade. Bon. J'étais un peu pêcheur aussi, mais les poissons ils sont finis. On a les femmes, quelle chance. On a les muses. Alors la mer, oui, la mer, le color, la vie est belle. Alors il faut profiter. Je ne suis pas un artiste qui je suis triste. Il y a plein qui sont tristes. Et quand je suis triste, je laisse le color. Je ne veux pas exprimer ma tristesse pour lui donner aux autres. La peinture, c'est un plaisir. Et je me dis que ce plaisir, tout le monde, il sent. Moi, j'adore les mythologies grecques. Je suis grandi là-bas, juste à côté. L'Albanie, c'est juste à côté de la Grèce. J'étais très passionné quand j'étais petit. Aujourd'hui, je l'exprime. À l'époque, je lisais pas mal de choses, mais je l'exprime avec mon façon. C'est à côté de la Grèce, 45 km d'Athènes. C'est le pays de Poséidon. J'avais eu la chance de vivre là-bas 5 ans. Et ça faisait plaisir de voir le soleil qui descendait. Je disais par terre, est-ce que je peux le voir, Poséidon? Je n'en ai pas vu, mais je le dessine dans mon façon. L'art. Quelle chance déjà qu'on a l'art. Parce qu'on vit avec ça. On a beaucoup de monde qui l'exprime, on vit avec ça. Et l'art, c'est la meilleure chose. C'est la vie, là. Celui-là qui n'a pas compris, parce que l'art, c'est la vie, il n'a rien compris dans sa vie. Ah, la beauté humaine. Un artiste, il a besoin de ça. Mais sans la beauté humaine, on ne fait rien. 2 ans. Ça fait 2 ans que je fais. Bien sûr, l'art c'est une thérapie, hein. C'est vrai, c'est qu'on exprime, c'est qu'on veut dire avec notre émotion, c'est ça l'artiste. L'art c'est une émotion, sans émotion on n'a pas l'art. Et ça? Ça c'est une fleur. Merci monsieur. Merci. Un tableau. Le tableau, elle te part. Quand c'est une œuvre, quand elle est bonne, elle te part aussi. Il faut le chercher aussi parce que moi, je suis un peu semi-abstrait. Mais quand on le voit, on le cherche.
on prend un exemple, c'est comme une belle femme. On les voit, on dit, oh, c'est magnifique. Mais après, on va les chercher, on dit, pourquoi pas, est-ce que c'est pour... Après, pour moi, pourquoi pas. On teste toujours, l'art, c'est ça. L'art, c'est une réflexion qui nous rappelle notre humanité, c'est ça. C'est un message qu'il faut lui donner chaque jour, et les gens, c'est eux de le comprendre. L'artiste, il a besoin de la muse. Quelle chance que j'ai ma femme, elle est ma muse, mais elle me soutient toujours déjà. Et je suis content, j'ai une famille, j'ai ma femme. Et ça fait plaisir, c'est pour ça que je travaille. Je suis content avec cette création. J'ai deux enfants aussi, que ma fille, elle les dessine toujours là. Bon, elle a grandi aujourd'hui, mais mon garçon, il est petit, mais il vient, il est content d'ici. Je suis content avec ma famille. Il y a plein de monde qui sont fait l'article pour moi. Il y a en Australie, c'est en Amérique aussi, en Russie. Bon, jusqu'en Chine, ça va déjà. Ça, c'est bon, parce que tout le monde, il passe là. Et quand il passe, il y a des journalistes aussi. Quelle chance qu'ils sont venus. C'est bizarre, là. Il y a des gens qui passent là, ils viennent, alors je lui donne un pinceau, ils dessinent, ils peignent avec moi. Ils sont bienvenus, toujours, ils peuvent peindre avec moi, toujours. Ils sont le touriste, je ne sais pas, mais quand ils viennent, ils travaillent avec moi. C'est un plaisir de partager, c'est ça l'art, c'est un partage. Et tout le monde partage la peinture ici avec moi. Tous les matins, je vais à un café et je dessine aussi. J'ai un catalogue avec moi, chaque jour, je dessine. Et les couleurs, c'est comme, je sais pas, c'est comme dans la musique, il y a les mélodies, et dans la peinture, il y a les couleurs. Pour moi, ça représente, je suis, je sais pas, je suis complètement d'accord pour les couleurs, c'est comme on parle pour les poésies. Moi, j'aime les gens. Il n'y a pas, est-ce qu'il est un enfant, est-ce qu'il est une gamine, est-ce qu'il est grand. Tout l'âge, moi, j'adore les enfants, j'adore les gens comme ils sont, quand ils sont bons. Et l'art, c'est ça, c'est une grande famille. On ne peut pas préciser dans quel âge, comme il n'est pas. Un artiste, c'est un artiste et il aime les gens. Le vrai artiste, il aime les gens. Sont parfaits.